Alors, cette vidéo est pour présenter mes excuses à la conférencière Belle Bijoux. Chapeau. J'ai dit que chapeau à vous. Chapeau de Magnan Saba à tous ceux-là qui ont vu en ça. À tous ceux-là qui ont détecté en moi d'une jambe. Vous êtes formidable, maman. Vous avez l'œil, maman, jusqu'à vous avez vu en moi d'une jambe. C'est-à-dire que pour vous, non. J'aurais dû rester comme ça. Pour vous, j'aurais dû garder ce laidron de visage pour vous donner l'occasion de bien m'insulter. Pour vous donner plus d'occasion pour mieux me dénigrer. Pour vous donner plus d'occasion pour mieux me harceler. Pour mieux me faire quitter les réseaux sociaux. Mais laissez-moi vous dire qu'en lançant votre caillou, belle secrète à vue. Parce qu'aujourd'hui là, je brille. J'ai de moins en moins de tâches grâce à cette marque Belle Secrète. Trust me. Quand c'est bon, il faut dire que c'est bon. J'ai un autre truc à vous dire. Est-ce que vous savez que mon code promo IL15 est toujours fonctionnel, est toujours opérationnel chez Belle Secrète? Est-ce que vous savez qu'avec ce code, vous pouvez... Est-ce que vous savez qu'avec ce code, vous avez 15% de réduction sur tous les produits que vous allez acheter chez Belle Secrète? Que ce soit les perles jusqu'aux produits de beauté, vous avez 15% de réduction. Une autre bonne nouvelle, toute personne qui vit en Europe, en Amérique, en Asie, lorsque vous faites déjà les achats de 200 ou 200 euros, je voulais dire de 200$ ou 200 euros, vous avez la possibilité d'avoir la livraison gratuite. Maman, tu attends quoi? Tu attends quoi pour shine comme moi? Tu attends quoi pour briller comme moi? Je vous ai dit un mot là en anglais. Trust me. Je ne sais même pas ce que ça signifie, mais en tout cas, trust me. Commandez vos produits et surtout, n'oubliez pas d'utiliser ce code promotionnel. Et une autre chose, ce n'est pas parce que je travaille avec Belle Secrète, ce n'est pas parce que je représente sa marque, que cela veut dire que lorsqu'elle sera en tort, je vais venir dire qu'elle a raison. À ça, jamais. Belle Secrète, Belle Bijoux, si tu as tort, je dis que tu as tort. Si tu as raison, je dis que tu as raison. Je suis pacifique et je suis très paisible. Je n'aime pas moi la guerre. J'aime la paix. Et le Congo, ça, c'est ma passion. Le Congo, ça, c'est ma nourriture de matin, midi et soir. Si vous êtes aussi là, ça veut dire que c'est ça qui est ça. Bonjour, mes béchats. Vous allez bien, j'espère. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Ibrahim Lasson, alias Papa Congo, ça. Maman, c'est la première fois que tu passes par ici. Pas, c'est la première fois que tu découvres la tête d'un homme qui papato plus qu'une fille. Tu attends quoi pour déposer dans tes valises? Tu attends quoi pour déposer tes bagages, papa? Et de faire comme si c'était le chez-toi, parce que c'est le chez-toi. Sans oublier d'activer la cloche de notification, parce que ça ne sert à rien de déposer ses bagages. Ça ne sert à rien de déposer ses valises en oubliant la clé qui va nous servir plus tard. En tout cas, je vous retrouve aujourd'hui pour la suite de cette affaire. Maman, je ne savais pas que ça allait prendre ce genre de proportion. Je ne savais pas que ça allait arriver jusqu'à ce niveau-là. En tout cas, comme vous avez lu dans le titre, c'est ça qui est ça. Je vous retrouve pour la suite et vous présenter cette vidéo-là. Mes chers papatons, mes chers amoureux du Congo, ça, prenons-nous après le générique. Ibrahim, c'est quoi toutes ces manières-là? On dirait une vieille bordel qui vient d'être dépucelée. On dirait une vieille waka qui vient de découvrir que le plantain est bon. En tout cas, soyez indulgents. La divergence de nos idées ne peut nous empêcher de nous concilier. Divisé, on va vers la chute, mais unis, on peut faire plus. Alors vivons ensemble, unis et sans discrimination. Tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble. Oh. Soutenons-nous, soutenons-nous, main dans la main. Vivons ensemble. Aujourd'hui seulement, je suis fier. Je suis fier de vous. Vous m'avez rendu fier. Vous m'avez prouvé par A plus B qu'entre Congossais, on doit se soutenir. Qu'entre papaton, on doit être comme les doigts de la main. La fille-là n'a pas raison. Elle n'a pas raison de me bloquer comme ça. Elle n'a pas raison de bloquer papa Congossa. Le gars qui donne le peps. Le gars qui donne de la vie. Je vous ai dit que je vais suivre la fille-là. Je vous ai dit que je vais la suivre. Et en attendant, je n'ai pas encore eu l'argent pour acheter mon deuxième portable. S'il vous plaît, si quelqu'un parmi vous a deux ou trois portables, j'active mon AirDrop, vous m'envoyez un portable. J'active mon Bluetooth, vous m'envoyez un portable. Parce que je dois suivre la fille là. Je suis en train de rater beaucoup de choses. Je suis en train de rater beaucoup de choses. Pourtant, je dois vous informer. Pourtant, je dois être au cœur de l'action pour vous dire ce qui se passe. Et en temps réel, j'ai besoin d'un deuxième portable. Soutenons nos vivants. Soutenez papa Congossa dans le Congossa vivant. Mon AirDrop est activé. Mon Bluetooth est activé. Et ben... Et bien, un peu de sérieux, un peu de sérieux, un peu de sérieux. Tu vois, je m'assois comme ça et puis je ris devant mes trucs. On dirait un vrai fou, on dirait un vrai malade. En tout cas, un peu de sérieux, un peu de...
Un peu de sérieux, je vais vous raconter cette histoire avec beaucoup de sérieux. Je vais éclaircir certaines ombres qui sont restées jusqu'à présent floues. Je vais éclaircir certains points qui sont restés jusqu'à présent floues. C'est ces points d'ombre-là qui a attisé le feu, qui a versé de l'huile sur le feu. Oh mon Dieu! Ibrahim Larson alias Papa Kongosa a été préparé dans toutes les sauces à cause de cette histoire. A été préparé dans toutes les marmites à cause de cette histoire. Oh. Donc, un peu de sérieux et je vais vous éclaircir ces points d'ombre-là et vous présenter la vidéo que je vous ai dit. Comme je disais tantôt, comme j'ai dit la dernière fois, tout a commencé lorsque Belle Bijou a lancé le projet Ton Nom de Beauty in You. J'ai bien prononcé ou bien c'est mes oreilles qui sonnent mal un peu. J'ai bien dit Ton Nom de Beauty. Ton Nom de Beauty in You. Ton Nom de Beauty in You. Papa, je n'ai même pas encore fini avec le français. C'est l'anglais que je vais parler couramment. Excusez ma vie. N'est-ce pas comme je disais tantôt, tout commence lorsque Belle Bijou lance le projet Ton Nom de Beauty in You. Réveille la belle qui sommeille en toi. Réveille la beauté qui dort en toi. Et sollicite pour la conférence d'Abidjan une artiste ivoirienne très connue. Voilà ce que j'ai dit dernièrement. Et c'est à cause de ce point d'ombre-là que Ibrahim Larson alias Papa Kongosa a été préparé dans toutes les sauces. Jusqu'au point où on a dit que son visage ressemblait d'abord à un plat d'asticot. Mais aujourd'hui, grâce aux produits de Belle Bijou, il peut s'asseoir et parler n'importe comment. Au moins une chose, vous avouez que ces produits sont efficaces. Et donc, écoutez-moi bien, parce que le français est tellement difficile. Le français est tellement dur pour nous les noirs. Que lorsqu'on s'assoit devant une vidéo, on la regarde pour parler au lieu de la regarder pour comprendre ce qui est dit à l'intérieur. J'avais dit ceci. Pour la conférence d'Abidjan, Belle Bijou a sollicité. Je n'ai jamais dit. À la jamais. Je n'ai jamais sorti de ma bouche que Belle Bijou a appelé José pour être son ambassadrice. J'ai dit ceci. Belle Bijou, et je ne sais même pas si c'est Belle Bijou elle-même qui a contacté José ou son équipe. J'ai dit et je répète. Et vous savez que je suis le genre de personne qui assume toujours ses propos. Belle Bijou, pour sa conférence à Abidjan, a sollicité la présence d'une artiste ivoirienne très connue et il s'agissait de José pour chanter à sa conférence. Je dis bien pour chanter à sa conférence, pour chanter deux sons à sa conférence et non pour être ambassadrice de Belle Secret et non pour être égérie de Belle Secret. Elle a contacté José pour qu'elle chante à sa conférence, pour qu'elle chante à un événement. Pas pour qu'elle vienne dire que venez acheter les produits de Belle Secret. Oh, moi-même j'utilise et ça marche très bien. Non. Tout comme José, elle avait aussi appelé Suspect 95. Et dans chaque pays, elle appelle un artiste pour venir chanter dans le but de divertir ses invités. C'est sorti où que Belle Bijou a appelé José pour qu'elle devienne son ambassadrice. C'est sorti où que Belle Bijou a appelé José pour venir faire la publicité de ses produits. J'espère que j'ai été clair. J'espère que mon nom ne va plus aller quelque part. Et donc, je continue. Voilà donc comment Belle Bijou contacte José pour venir chanter deux sons à son événement. Et tout naturellement, José accepte. Et lorsqu'elle accepte, le contrat est signé et on verse toute la somme. On verse la somme intégrale qu'elle avait demandé. Voilà donc comment Belle Bijou paye pour les spots publicitaires et les affiches. Les spots publicitaires sont diffusés dans les télévisions et les chaînes radio ivoiriennes. Femme, respire le bien-être à travers ton hygiène intime. Parce que l'intimité féminine ne doit pas être un tabou, Chilo's Event présente Turn On The Beauty In You. Un panel inédit pour booster la confiance et l'acceptation de soi et briser les tabous de l'intimité féminine. Samedi 10 avril de 14h à 18h à l'Espace Triangle Riviera Palmeraie. Intervenant principal, la conférencière et célèbre youtubeuse Belle Bijou, experte en hygiène intime, artiste invité, José. Turn on the beauty in you, quand les secrets du leadership au féminin passent également par le bien-être. Une semaine de l'événement Ton Nom de Beauty in You en Côte d'Ivoire à Abidjan, Belle Bijou recontacte José et lui dit: ah ma soeur, nous sommes à une semaine, maintenant on doit commencer la communication sur les réseaux sociaux. Il faut qu'on poste les affiches, qu'est-ce que tu en dis? Elle dit ok, postons donc les affiches comme ça. Mes abonnés à moi vont savoir que je vais venir chanter à ton événement. Voilà donc comment José s'en va poster l'affiche que Belle Bijou avait payé pour qu'on fasse pour son événement. Mais deux heures de temps après, l'affiche disparaît de tous les réseaux sociaux de Belle Bijou. Qu'est-ce que je suis en train de dire? L'affiche disparaît sur tous les réseaux sociaux de José. Mais qu'est-ce qui se passe?
What is going on? Personne ne comprend rien. Parce que moi-même, j'avais repartagé le poste. Belle Bijou avait repartagé le poste. C'est là que l'équipe de Belle prend le portable, appelle José. Mais José, pourquoi est-ce que l'affiche ne se retrouve plus sur tes réseaux sociaux? Qu'est-ce qui se passe? José lui dit que non, le problème est que la femme avec qui je travaille, la femme avec qui j'ai signé un contrat de 2 ans, est en train de me mettre la pression, m'a dit d'enlever les affiches parce que son contrat stipulait que je ne dois pas chanter aux événements. Pire encore, si la personne qui organise l'événement vend les produits cosmétiques comme moi. Et si vous avez constaté, depuis que José a signé ce contrat-là, elle ne preste plus dans des événements. Cela me pousse à poser une fois de plus une question. José, ma soeur, j'aime bien ta musique. Je t'aime jusqu'à tu es mon artiste préféré. Mais ce n'est pas parce que je t'aime que je dois jouer au fan abruti. Non, je dois quand même te poser cette question-là. Regardez par exemple dernièrement, je suis fan de Yves Dero. Ce n'est pas parce que je l'aime que j'ai fermé les yeux lorsqu'elle a volé le projet de cet enfant-là. J'ai dit que non, ce n'est pas bien. Comme pour José, je veux aussi dire non, ce n'est pas bien. José, en fait, lorsque tu prenais l'argent pour aller prester à l'événement de Belle Bijou, j'avais oublié que ton contrat stipulait que tu ne dois pas prester à des événements. Ah oui, j'ai oublié. C'est ton manager, c'est ton ancien manager qui t'a fait signer ce contrat. Mais pourquoi quand tu signais ce contrat-là, tu n'as pas pris la peine de lire les clauses? Arrêtons d'être aveuglé par l'argent. Je ne sais même pas si le français est juste. Prenons la peine de lire les clauses d'un contrat. Voilà ça aujourd'hui, tu es prisonnier d'un contrat. Tu ne peux pas prester à des événements à cause d'un contrat. Ta fille t'a donné les milliards pour te conditionner comme ça. Tu allais prester. José elle-même voulait aller prester à l'événement de Belle Secret. C'est pas Belle Secret tout le temps pour moi. À l'événement organisé par Belle Bijou et qui n'avait aucun rapport avec Belle Secret. Conférence Ton Nom de Beauty in You. C'est une série de conférences pour édifier les femmes. Pour dire à la femme, ma queen, tu es la reine de ta vie. N'attends toujours pas que ce soit un garçon qui vienne te servir tout sur un plateau. Voilà donc comment José explique que non, sa patronne a dit que, elle a dit que, elle a dit que. José demande à parler avec Belle Bijou. Belle Bijou dit que non, moi, maman, quand moi je t'ai contacté, tu m'as dit que ça ne causait pas de problème, que tu devais venir chanter. Mais nous voilà, on est à une semaine. Certaines personnes ont acheté le billet parce que pour eux, tu seras là pour les divertir. Parce que beaucoup de gens t'aiment. Mais pourquoi ce n'est qu'à une semaine de ma conférence que tu viennes me dire que ta patronne a refusé que tu viennes prester? Là, tu me mets vraiment dans un dilemme. Je dois chercher un autre artiste et je dois payer encore de l'argent. Maman, comme tu ne vas plus venir prester, là, remets-moi alors mon argent. Pour remettre encore l'argent, là, c'était autre chose. Il a fallu qu'on derrière José. Et c'est quand on demande le remboursement que cette dame-là du nom de Farida, c'est elle-même qui cite son nom dans les voices, je ne la connaissais pas avant, s'en va dans le groupe verser toute sa haine. Vous m'avez posé la question à savoir, mais elle a insulté Belle ou elle a fait si ou elle est dans son droit, elle est dans quel droit? C'est quel contrat quand quelqu'un signe là en prison? Même José est en prison, elle-même elle sait qu'elle est en prison, elle a hâte que ce contrat arrive à terme parce qu'elle ne peut plus. Elle n'en peut plus. Je suis papa comme ça, je sais beaucoup de choses. Je sais énormément de choses. Comme je vous disais tantôt, voilà donc comment José appelle l'équipe de Belle Bijou dans le but de parler avec Belle Bijou. Mais lorsqu'elle appelle Belle Bijou, dit non maman, tu m'as déjà dit que tu ne seras pas là. Ce que tu peux faire maintenant, c'est de faire une vidéo dans laquelle tu t'excuses. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont déjà acheté des billets pensant que tu seras là. Voilà donc comment José enregistre cette vidéo aussi. Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors, cette vidéo est pour présenter mes excuses à la conférencière Belle Bijou ainsi qu'à l'agence de communication événementielle Chilo Event, car je ne suis pas en mesure d'honorer ma prestation prévue pour le 10 avril 2021. Je leur souhaite un plein succès dans cette tournée Turn on the Beauty in You. Et voilà, on est ensemble. C'était José. Vous pensez sérieusement que si José avait raison, que si elle était dans tous ses droits, elle allait recorder cette vidéo? Pour tout le monde, l'affaire était classée. Jusqu'à ce que les voices de Farida sortent où elle menaçait Belle Bijou, où elle insultait la mère de Belle Bijou et où elle insultait même les produits de Belle Bijou. Je voulais refaire une fois de plus écouter. Ce que je vais d'ailleurs faire, et on va commenter cela au même moment. Et je vais aussi vous faire écouter le voice d'une personne qui travaille avec Farida, qui est allé défendre Belle Bijou pour dire non Farida, on ne fait pas ça. On ne fait pas ce que tu es en train de faire là. Arrêtons souvent d'être des fans moutonniers. Arrêtons souvent de suivre n'importe comment. Très franchement, je voulais vous faire réécouter les voices de cette femme là. Mais après mieux réflexion,
franchement, je vais vous épargner ce petit lourd détail, ce détail un peu, vous voyez quoi. Mais je vais vous faire écouter le voice de la fille qui travaille avec cette Farida là, qui a au moins pris la défense de Belle Bijoux, parce qu'elle a trouvé cela vraiment nonsense. Et c'est comme ça qu'on doit être lorsque quelqu'un a tort, même si c'est notre patron. Osons dire que non, ce que tu as fait n'est pas bien, même si c'est nos parents, lorsqu'ils font quelque chose qui n'est pas bien, osons leur dire papa, maman, non, on ne fait pas ça. Ou tout gentiment, papa, maman, ce que vous avez fait n'est pas bien. Je sais que chez nous en Afrique, c'est toujours l'enfant qui a tort. Et donc, comme je vous ai dit, je vais vous faire écouter le voice de cette fille-là. Oui, Faria, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. J'espère que vous écoutez bien. Je viens de lire là une histoire selon laquelle on a pris l'ambassade de Belle Bijoux et tout. Et c'est vrai que c'est Belle Bijoux. Je vois tout l'acharnement que les gens commencent à dire et tout. Tu es le. Elle savait, madame. Bon, moi, je ne veux pas prendre la défense de quelqu'un. Mais je ne crois pas, moi, en tant que Camerounaise, que Belle Bijoux a été informée que c'est l'ambassade. Et même, on ne va même pas aller jusque-là parce que c'est une femme qui ne cherche pas les problèmes. Je connais très bien ses produits. Personnellement, je ne la connais pas, mais je connais quand même sa famille parce que je connais sa représentante du Cameroun. Et c'est pas quelqu'un, c'est quelqu'un qui a toujours été combattu. Ce n'est qu'un petit détail. Si Jésus était combattu, c'est parce que c'était un esprit saint. Et si quelqu'un passe au temps de combattu, ça veut dire que ce sont des esprits saints et les autres, bon, on ne sait pas. Moi, je ne veux pas voir ça sur le même angle que vous a dit que vous avez dit que vous n'avez pas parlé de papa, ça veut dire ça. Et vous devez. Qui dépasse bien à payer, je ne sais pas trop bien ses bouches, mais je ne sais pas si je vais couper cette partie ou bien je vais laisser. 6 millions, c'est rien pour moi. S'il faut payer quelqu'un pour que ça me fasse gagner plus de l'argent, je le payerai. Je le payerai. Si on me donne toutes les garanties de ce pourquoi je paye, je le paierai. Si déjà moi, et je ne me sous-estime pas, et quand mon niveau, je peux le faire, je pense que c'est bien qu'il ne peut pas le faire, puisque je crois qu'elle vit aussi aux États-Unis, et elle ne se prend pas la tête, et elle respecte tout le monde. Donc, j'aimerais bien que ce sujet soit pris de façon minutieuse. Qu'on ne pense pas qu'il y a des autres qui sont incapables de payer de cet argent. Ça ne veut pas dire que vous qui avez payé, il faut qu'on vous manque de respect. Non. Ça veut tout simplement dire, rassurez-vous bien de tous les louages de cette histoire avant de venir verser dans le groupe. Parce que tu dis affaire, j'appelle, les gens te provoquent. Je ne crois pas qu'elle peut te provoquer. Et vous êtes aux États-Unis ensemble, si tu vois qu'elle te provoque, tu l'appelles, c'est ta soeur africaine. C'est pas qui dit que soutenons nous les Africains. Il ne faudrait pas que vous allez sur les réseaux sociaux parler de soutenance. Alors qu'à une bosse, vous êtes des gens. Moi, je n'aimerais pas, tant que Camerounais, je ne veux pas. Franchement, je ne veux pas m'énerver là-dessus. En fait, pas m'énerver, quoi. Je ne veux pas qu'on parle des gens sans avoir les preuves qu'ils ont fait ça intentionnellement. Voilà. Moi, ce que je regarde dans ce coup, c'est les preuves. Je ne veux pas qu'on parle d'elle ou bien qu'on parle de ses preuves parce que j'en sais quelque chose là-dessus. Une personne sensée. Je ne vois pas qu'elle est problématique. C'est comme si quelqu'un partait parler de moi, c'est problématique. Moi, si tu me cherches, tu vas me trouver. Je crois qu'une belle aussi, si tu la cherches, tu vas la trouver comme tout le monde. Pour défendre. Mais il ne faudrait pas qu'on commence à saboter en croyant que c'est chez nous qu'on a plus d'argent parce qu'on a payé. Non, je ne crois pas. Il n'y a personne qui n'a l'argent que d'autres. Bon, c'était mon point de vue. Et si on est bien doser ce sujet, je ne veux pas. Moi, excusez-moi. Hein. Quand on parle de Cameroun, bien de mes soeurs et tout ça, c'est pas là. En tout cas, c'est des Africains, c'est toujours les rivalités. Nous, les femmes, on a toujours des problèmes. Quoi. Franchement, maintenant, notre petite misérable est vite écoutée. Et si on constate qu'on nous a mis les bâtons dans les roues, et sur le dialogue, que je pense une femme de dialogue, quand je vois un peu ses vidéos sur YouTube, et c'est une belle femme. Les belles femmes sont belles de l'intérieur et de l'extérieur. Et je crois pas que c'est un démon. Voilà. Donc, c'était ça ma contribution. S'il vous plaît, je parle des insultes, ou bien qu'on commence à critiquer, que les compagnies, tout le monde a des compagnies. Une personne sensée, une personne vraiment sensée, et je vais encore le redire avant de clôturer avec la vidéo, José a été appelé
pour prester et non pour représenter la marque de Belle Secret. Et non pour faire l'apologie de Belle Secret. Et non pour être ambassadrice de Belle Secret. Et non pour être égérie de Belle Secret. Elle a été appelée pour chanter 2 sons. Et nous savons tous que pour chanter 2 sons, c'est maximum 10 minutes. Elle a accepté. Et l'affaire allait être clôturée lorsqu'elle a remboursé l'argent. Mais non, Farida, non, elle voulait le scandale. Elle voulait vraiment faire de ça un scandale. Jusqu'à dire qu'elle va aller porter plainte, elle va aller faire ceci, elle va aller faire cela. En tout cas, ma best girl, amo singulé. Eh bien, mes chats, c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Si elle ne vous a pas plu, si j'ai encore mal expliqué, n'hésitez non plus à me le faire savoir en commentaire. Dans tous les cas, laissez-moi votre plus gros pouce bleu en l'air. Partagez la vidéo pour que notre communauté puisse continuer à s'agrandir. On se reprend à très bientôt. May God bless you. Kiss! Et ne faites jamais confiance en personne. Gardez vos gros yeux là bien ouverts. Car c'est votre propre hôtel. Yo. C'est votre propre hôtel qui joue aux innocents. Qui joue aux innocents qui finira un jour par vous trahir. Qui finira un jour par percer votre chaussure. Mais vraiment, on a beaucoup souffrance. On a beaucoup eu la tort. On est souffert. On est tellement souffert maintenant. Mais vraiment, on a beaucoup souffrance. On a beaucoup eu la tort. On est souffert. On est tellement souffert maintenant.